sur Monte Carlo. Vous êtes près de 5 millions d'auditeurs à l'écoute de Radio Monte Carlo, 1400 mètres ondes longues, la station du sud de la Loire qui fait maintenant rayonner le soleil de la Méditerranée jusqu'aux portes de Paris. 5h30, avant le chant du coq, je vous dis bonjour, José Sacré, bonjour avec des chansons gaies de préférence pour que vous soyez de bonne humeur dès le petit matin. RMC, Radio Monte Carlo. Bernard Spendler, bonne journée à tous. Il est 7h et nous sommes là comme chaque matin. Votre horoscope, lu dans la lune par Samantha, ravissante à l'heure des croissants. Vos éditorialistes du matin, Claude Morel, Pierre Metet, Jean-Claude Vajoux. Mon Dieu, quelle angoisse! Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux dire? Voici mon fils. Dans les poudres et les granulés, il y a un produit souvent qu'on appelle la méthionine et qui est de plus en plus demandé. C'est un oui, le week-end a été fertile en réunion de toutes sortes. On a entendu beaucoup de discours, beaucoup d'attaques. Jean-Robert Scherfis, clin d'œil au pays, le clin d'œil du matin avant celui de 18h45, un autre clin d'œil. 9h moins le quart, du marché jusqu'à votre assiette, Marie-Christiane Courtiou. Un panier de la ménagère, bourré d'humour et de conseils pratiques. Ah, la France est un beau pays, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Léon. Comment s'est passé le mariage auquel vous avez assisté hier après-midi? Oh, émouvant, Jean-Pierre. Le marié avait 85 ans et la mariée, 22. C'est beau tout de même, l'amour. Et alors? À la sortie de l'église, Jean-Pierre, au lieu de jeter du riz, les invités ont jeté du Vitas Corbol. Allez, grâce au 121, tous les jours à 11h30, vous pouvez gagner 200 et même 2000 francs avec le croupier de service. Frédéric Gérard. Midi Match, Jean-Pierre Foucault. Midi Match, une émission jeu spectacle tous les jours à 11h45. Deux équipes s'affrontent amicalement pour tenter de gagner 1000 francs par jour ou alors la super prime de 10 000 francs. Avec Carole, nous supportons les tandems interchangeables de Midi Match. Pierre Doris, Micheline Dax. Perrette Pradi, Roger Carrel. Suzanne Gabriello, Philippe Clay. Ginette Garcin et Jean-Marie Prolier. Quitte ou double, 79. Quelle largeur minimum a le pas de Calais? 31. Oui, monsieur, 31 kilomètres. Voilà. Bonjour, ici Jacques Paoli. Ici ou ailleurs, parce que notre journal se déplace et va à la rencontre de l'actualité. Nos forums, notre association avec la presse quotidienne régionale, nos forums nous permettent d'aller à la rencontre de ceux qui font l'événement. Les journalistes, au fond, je serai responsable. D'abord, je n'avais pas voulu dire le contraire de ce que je pensais. Après tout, je n'en sais rien. Et ce que je pensais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'archaïsme, qu'est-ce que cela veut dire? Sur le plan du style, chacun a le sien. Georges de Caunes. Liliane Rose. Les rêves de la vie. L'incroyable vérité. Une émission de Jean-Pierre Imbroris, racontée par Benoît Hallemann. Radio Plus, chez vous, Yves Morosi. Bonjour. Je bois ma vie, ou bien je la fume. Et si je chante, ça n'est pas pour des primes. Radio Plus, chez vous. RMC, Radio Monte Carlo.
Une fois de plus, je suis très très heureux de vous retrouver. Il est 19h15, c'est Patrick Croix avec vous pour un super hit parade jusqu'à 20h30. Oui, moi j'ai la chance de faire le soir de 20h30 à 22h30 sur Radio Monte Carlo. Et quand je dis j'ai la chance, c'est parce que le soir je fais une radio avec le cœur qui bat moins vite. Hein? C'est tellement plus agréable. Allô ? Allô, bonsoir Nathalie. Bonsoir. Je te téléphone. D'abord pour te dire que je suis un drogué. Ah bon ? Ma drogue est encore beaucoup plus forte, c'est l'aventure. Ah, c'est une excellente drogue. RMC, c'est plus près.